Salut à toutes et à tous, c'est Tony Warrior et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Splinter Cell Conviction pour l'épisode 5. Je démarre le chronomètre, ça y est, 15 minutes les gens. Voilà, et donc du coup on va continuer ce petit let's play. Allez go. Bon, du coup, tac. Hop, on va faire comme l'autre fois. Enfin comme la dernière fois plutôt. Voilà, hop 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 hop, tic, vas-y, tac, ça c'est bon. En fait c'est dur d'appuyer sur la molette de la souris en fait. Il faut que j'appuie sur la molette de la souris, et tout à l'heure en fait je voulais appuyer sur la molette de la souris, mais j'ai malheureusement appuyé sur, comment dire, oh merde. Oh le con. Oh le... Oh, je suis vraiment une quiche moi, putain, sans déconner. J'ai fait ça pour rigoler, pour voir ce que ça faisait. Normalement, je croyais que ça verrouillait les mecs là, et qu'après on pouvait leur sauter dessus quoi. Bah non. Ça l'a exécuté. Bah oui. Soyons fous. Alors, du coup, bah ça, j'ai tout fail. Ça me saoule. Bon, c'est pas grave, allez. On y retourne. Allez. Vas-y, bim, ça c'est fait. Allez go, on continue. Allez go 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 go. On avance, go go go. Franchement pour un jeu sur PC qui est assez vieux, on va dire quand même, c'est plutôt bien fait je trouve. Enfin assez vieux en VG quoi, mais bon. Moi je le trouve pas mal quand même. Alors il y en a un qui se barre là. Ouais, donc sûrement eux ils vont se séparer, voilà. Donc on va se tourner, voilà. J'aimerais bien lui sauter dessus en fait. Non, je ne suis pas gay, mais c'est juste que c'est un peu. Voilà. Go. C'est bon. Donc ça fait un mec en moins. Non. Va là-bas, va là-bas, va là-bas. Putain. Il est où l'autre? Tu m'expliques où il est l'autre? Ah ta 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 ta. Oh, oh mon dieu, s'il vous plaît. Non, vous ta gueule, plaît. Ta gueule, ta gueule. Dis rien, je vais les buter l'autre. C'est bon. Eh hey, monsieur, je vais le sauver. Tirez pas. Bonjour. Non. Non, s'il vous plaît. Eh hey, monsieur. Je veux pas mourir. Réponds à mes questions et on verra. Le mec normal quoi. Quoi ici pour avoir besoin de tout cet arsenal? Un protocole anti-impulsion électromagnétique pour le DARPA. Enfin, on faisait ça surtout avant que Robertson reprenne le projet. C'est qui Robertson? Robertson. Parle-moi de lui. Ben, à part laisser Black Arrow mettre la main sur le labo, il monopolise les données expérimentales et il les efface du système. C'est super mauvais pour le workflow. Il n'y a que lui qui a la vision globale. Et okay. Lucius Galliard, c'est quoi son rôle là-dedans? C'est mon patron. La boîte est à lui. Okay. C'est lui qui a engagé Black Arrow et Robertson pour la sécurité. Ouais, ce serait pas mal de soulager un peu Robertson de toutes ces infos. Tu peux me faire entrer? J'ai un passe pour l'ascenseur. Parfait. Et après, sors d'ici. Genre l'ascenseur qui est déjà là, t'as eu. Les amis, ils ont besoin d'aide. Je pourrais peut-être... Bonne chance. Le mec normal, bonne chance. Bon, il se lance pas tout seul? Ah ben non. Évidemment, faut activer le bouton quoi. Au moins c'est bien fait parce que pas tous les jeux font ça. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Allez go. J'aurais bien aimé me plonger dans le noir avant d'y aller, mais bon. Ah, il se passe quoi? Non. Non mais tu meurs monsieur, merci.
Non mais il a cru vraiment que j'allais l'aider lui. Non mais. Ils sont sérieux les gens. Le maigre. Moi bon, gros connard, tu sais. Attends. Ah j'entends des voix, attends. Je vais mettre une caméra là. Attends, je vais regarder comment on fait. Télécommande, voilà. Ah. Il a tué des méchants. Attends, on va faire un truc, ça va être marrant. C'est pas mal ça comme musique. Ah, c'est vraiment pas mal ça, franchement. Pas mal, pas mal, pas mal. Ouf. Pas mal, pas mal. On va attendre. On va foutre une caméra là. RAS, allons fouiller la zone suivante. J'ai une activité suspecte ici. Attendez. Je suis là. Ils savent pas quoi faire. Il faudrait qu'il vienne en dessous de la caméra, comme ça je la fais péter et... Tout a l'air calme. Une seconde. Attends quoi pour que tu tentes de m'avoir. Merde. Quelque chose d'étrange. Donnez-moi un instant. C'est quoi juste... Un peu qui cloche. Ah deux. T'entends? Pas mal. Allez. Oh merde. Attends. Ça au moins c'est fait. C'est pas mal ça. C'est pas mal ce système. Moi j'aime bien. Bon. Bon ben voilà. Ouf. Je t'attends. Alors, du coup, j'ai des caméras glues et tout, c'est bon. Attends, on va fermer la porte. Voilà, parce qu'on est bien éduqués, nous. On va regarder en dessous, histoire de dire. Ouais, c'est bon. Allez. Je paye pas le... les ports, donc j'en ai rien à foutre. Pour moi, ça c'est lié. Attends, 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 on peut sauter. Oui, oui, bah oui, on peut sauter, oui. Mais à quoi ça sert? Me demandez pas, hein, parce que je saurais pas vous répondre, hein, franchement. T'es contre ça, non? Bon, je sais pas, bah écoutez, on peut ouvrir une porte. Et cette porte ne mène strictement à rien. Donc en gros, c'est de la merde. Mais. Ok, Ok, et donc je suppose que tu pouvais ouvrir cette fenêtre. D'accord. Donc j'aurais pu passer par là pour tout péter. Bon écoutez, c'est pas grave, j'ai envie de vous dire. Alors rien que pour ça, fuck the police. Boom. Allez hop, on ferme la porte. Parce que moi tu vois, je suis comme ça moi. Bon. Bon, attendez. J'aime pas les lumières, je trouve ça c'est moche. Tu vois, j'aime pas les néons moi. Conformiste. Ouais. Alors attends, hop. Hop. Je trouve les lumières, ça fait trop moche quoi. Allez go. Attends, il y a un truc qui fout beaucoup de lumière là.
Merde, j'en ai activé deux. Attends. J'aime bien, tu sais, le mec, genre, je l'ai paralysé et tout. Le mec, il bouge encore, t'as vu. Oh, attends. On va se reposer la main deux secondes. Cours, monsieur, cours. On va se plonger dans le nord, comme ça, au moins. Quand on reviendra ici, oui. Au moins, on n'aura pas de problème. Ils me verront pas. Donc. Attends. Ah, mais c'était juste l'ordi en fait qui faisait de la lumière. Ah. Ça a craché. Ça filme toujours apparemment. Bon. Attendez. On va vite relancer le jeu. C'est bon, ça filme toujours. Ouais, désolé, apparemment ça avait coupé le jeu. Je suis vraiment désolé. Du coup, on recommence. Vraiment désolé. Tu sais pas avec qui tu joues. On n'est pas des débiles, connard. On n'ira pas plus loin. Alors du coup on recommence. Faudrait que j'arrive à monter en fait. J'allais dire monter en haut mais c'était con en fait, donc j'ai préféré pas le dire. Bon, on va leur apprendre ce que c'est la vie les gens. Allez au bureau de Robinson. Ok, tu marches pas dans ça. Et ben moi, je marche. Pas moyen. Oh merde. Ah, il est là. Vas-y, il meurt. Putain, il voulait pas mourir sans forêt. Attends, je dois avoir mon nombre. Ouais, c'est bon, il y a mon nombre. C'est bon, un en moins. Qui trouve ça drôle? J'ai pas vu, Véran, te marrer, moi. Attendez, ça voulait pas le tuer. Faut m'expliquer pourquoi. Attendez. Voilà, donc ça revient au même. Hop. Tac, on va suivre. Cours, monsieur, cours. Je vais pas mourir. Pardon, c'est les mots fions. Hop, ça c'est bon. Allez, maintenant on va rusher. Vu que c'est un silencieux, écoutez, on s'en fout. Silencieux, rien à branler. Bon, par contre, tu marches un peu plus comme un sac. On va se cacher. Aucun contact.
Ah. Bon, bah les 15 minutes sont passées. Mais je vais pas finir comme ça. Parce que moi, je suis qu'un connard. Pardon, excusez-moi. Pulsion. Ah, mais on pouvait passer comme ça. Putain, mais je suis vraiment un connard, ouais. Bon, du coup, c'est pas grave. On va monter comme ça. Alors, attends. On va essayer de faire le tour du bâtiment. Ah, il est là, mon mignon. Oh, fuck. On a perdu deux gars. Ils ont rien compris, les pauvres. Ça, c'est fait. Allez, on va se quitter dans le bureau de Robinson, les gens. Ok, il n'y a personne. Donc on ouvre. Bah, et bien sûr, bah, il a eu une pulsion, faut l'excuser. Hein. Et on ferme la porte, bien sûr. Voilà, parce qu'on est, on est des enfants élevés. Bien élevés. Ah, dépôt d'armes. On va juste péter l'écran. Histoire de Jerry ne me voit plus. Et voilà. Donc, on se retrouve pour le prochain épisode ici. Allez, ciao, ciao tout le monde. Plus.